Hello, salam alaikum. Salut chers amis. Hello, hello dear friends. نهاركم سيورو خمارا إريفيين أقندق المغرب. مشاكم الأغلبية في مشي تمازيق السيورو فرنسي. Alors, comme j'ai déjà mentionné en berbère, chers amis, j'ai dit que puisque la plupart ne comprend pas la langue berbère ou la mazire, je vais essayer de parler. L'appellation berbère provient du grec barbare, qui désignait sans aucune forme péjorative les peuples utilisant une langue qui n'était pas comprise par les Grecs. Les berbères seraient les natifs originels de toute l'Afrique du Nord. Certaines théories envisagent notamment que les Africains originels se seraient mélangés aux Vikings d'Europe du Nord, créant ainsi un ADN métissé unique. Depuis les premiers signes de vie humaine sur Terre, les nomades se sont déplacés de l'antique Mésopotamie jusqu'aux côtes atlantiques. Les Romains, dans leur épopée colonisatrice, ont envahi tout le nord de l'Afrique jusqu'au côté atlantique, chassant les Berbères insoumis des terres fertiles. Ils furent ainsi repoussés jusque dans les montagnes, notamment les chaînes de l'Atlas et les Russes marocains, mais également vers l'intérieur des terres et notamment dans les déserts. Au déclin de l'Empire romain, vers les Arabes du Golfe arabique. Ils offrirent aux Berbères plus de liberté que les précédents envahisseurs en échange de la reconnaissance de l'islam, du Dieu unique Allah et de son prophète Mohammed. Auparavant, chaque tribu, ethnie ou région berbère possédait ses propres croyances païennes, souvent empreintes de mysticisme et majoritairement polythéistes. Alors aujourd'hui, les Berbères représenteraient 65% de la population marocaine. Malgré leur incontestable présence démographique, la reconnaissance de la culture berbère est très récente et provient de la volonté du Maroc de s'internationaliser et de se moderniser en acceptant les influences culturelles qui le composent à présent. Par exemple, le drapeau berbère a été adopté à l'occasion du premier congrès amazigh en 1998 à Paris. Il est composé de trois bandes horizontales symbolisant respectivement le bleu pour la mer, le vert pour la montagne et le jaune pour le désert. Peint de rouge, du sang amazigh, un homme libre circule librement sur ces trois bandes colorées. Ce symbole de l'homme libre est omniprésent dans la culture berbère et comporte trois branches signifiant la terre, la langue et l'homme. Originellement, ce symbole est la lettre Z et se dit Yaz. Le voilà. Alors, l'alphabet des berbères est appelé Tifina. Il est globalement universel. Il a été très présent jusqu'aux alentours du XIIe siècle, puis petit à petit remplacé par l'alphabet arabe en accord avec la religion. De par le raisonnement géographique, on continue à l'utiliser de plus en plus de personnes apprennent à lire, à écrire berbère, notamment grâce à Sa Majesté le roi Mohammed VI qui accorda en 2004 que l'on enseigne la langue amazigh dans les écoles. Pareillement, la nouvelle constitution adoptée en 2011 reconnaît officiellement le berbère comme deuxième langue officielle du Maroc. Trois dialectes berbères différents parlés au Maroc. Le Tarifit est utilisé au nord de Tanger en Andorre en escaladant la chaîne du Rif. Le Tchlihit est parlé dans le sud-ouest de Sawaira à Sidi Ifni en passant à travers l'Atlas occidental par l'école de Ntishka. Il est la langue des Chleh. Le Tamazir est le plus répandu, contrairement à tout le reste du Maroc jusqu'au port du désert. Ces langues sont différentes mais comportent malgré tout quelques similitudes qui les rendent globalement compréhensibles pour les initiés. On remarquera qu'une personne berbère est naturellement polyglotte. En effet, outre son dialecte natal, elle en comprendra un autre, parlera darijan, lira l'arabe classique et pourra parler français, anglais ou espagnol à sa guise. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. هناك فرق بين دخول اللغة العربية واللسان العربي إلى المغرب، وهذا قد تم عبر ثلاث مراحل تزامنت الأولى منها مع الفتوحات الإسلامية التي قام بها الخلافة الأموية، وذلك بعد طلب من قبائل المغرب العربي لتحريرها من البيزنطيين آنذاك. دخلت اللغة العربية واستمرت إلى اليوم كلغة رسمية لبلدان المغرب العربي، والثانية خلال القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر، حيث دخلت القبائل العربية على رأسها بنو هلال وبنو معقل وبنو سليم. أما المرحلة الثالثة فتزامنت مع هجرة الأندلسيين. في كلتا المرحلتين الثانية والثالثة أدخلت معها القبائل العربية لسانها، وكذلك نقل الأندلسيين لهجتهم معهم إلى المغرب. بالرغم من كون الدستور المغربي يوقع اللغات العربية الفصحى والأمازيغية كلغات رسمية للبلاد، إلا أن المغاربة يعتبرون ومن أكثر الشعوب غنى من حيث اللغات واللهجات،
لكل منطقة لهجتها الخاصة التي تختلف من منطقة لأخرى ومن مدينة لأخرى، لكنها تظل عموما اختلافات طفيفة لا تؤثر على فهم والتواصل. تنوع ولين اللهجات، تظل لغة التواصل عند الغالبية العظمى من المغاربة هي اللهجة الدارجة المغربية أو كما يسمونها عموما المغاربة الدارجة، وهي نوع من اللهجات العربية المغربية التي تدخل ضمن اللغة العربية الناتجة أساسا عن حصيلة من التمايز الثقافي واللغوي الذي عرفته المنطقة. من ناحية أخرى، تعتبر اللغات الحية الإسبانية والفرنسية من أهم اللغات الأجنبية الرئيسية بالمغرب نظرا لماضيها الاستعماري القديم، حيث تعتبر الفرنسية اللغة الثانية غير الرسمية للبلاد بعد الاستقلال. Au Maghreb, royaume influent colonial. Le français est une langue en contact où il est tout naturellement reçu, vécu et transmis sous forme d'un continuum de variétés majorées ou minorées et d'une variété appropriée en quête d'identité et de légitimité. Les sociolinguistes distinguent plusieurs français. En terrain colonial, le français a fonctionné comme langue officielle des institutions protectorales, même s'il fut plus diffusé auprès de la population autochtone. Et voilà qu'un demi-siècle plus tard, il ne s'est toujours pas entièrement départi de sa livrée institutionnelle. C'est une langue seconde ou une langue étrangère à statut particulier ou privilégié. Sa cogitation identitaire remet en devant de la scène l'ambiguïté qui entoure son statut. Aux toutes premières années de l'indépendance, le français fut la seule variété haute dans le concert des langues, en présence et d'éteindre les domaines clés de la société. Symbole du prestige social, mais ressenti comme une blessure identitaire. Il ne tarda cependant pas à connaître les fluctuations dues aux turbulences de la mise en place de l'arabisation. C'est sa fonction de langue d'enseignement, beaucoup plus que sa présence dans l'administration ou dans l'environnement qui exacerba les sensibilités et opposa les traditionalistes arabo-islamistes, qui voulaient une arabisation totale. Aux technocrates modernes qui pensaient que seul le maintien de la langue française pouvait faire accéder le pays à la modernité tant désirée. Ce conflit idéologique permet au bilinguisme français-arabe d'abord à dominante française puis progressivement à dominante plus arabe de se maintenir encore longtemps dans l'éducation et dans la société. L'arabisation partielle obligea cependant le français à céder du terrain. Il se confina à un double rôle, instrumental et culturel. La perception ambiguë du français lui vient à la fois de son passé colonial et de son statut jamais clairement défini. Preuve qu'une politique d'aménagement linguistique transparente a du mal à prendre. La Charte nationale d'éducation et de formation, promulguée en 1999 et qui consacre 2 articles à la maîtrise des langues étrangères, ne dit pas explicitement mais sous-entend seulement que le français est la première langue étrangère. Il s'agit donc bien d'un statut de fait et non de jure. L'avenir du français, langue académique, est par contre clairement tracé par la Charte. Cette dernière met également fin au bruit d'un quasi-remplacement du français par l'anglais, langue internationale. Certes, mais dans le statut, le fait reste bien celui de langue étrangère seconde. En somme, le français demeure, en dépit de toutes les secousses idéologiques, l'instrument par excellence du savoir scientifique et technique, mais aussi la langue de la modernité et surtout la langue d'écriture de plusieurs générations d'écrivains, y compris la toute jeune génération. Tres razones por las que los marioques hablan español. La primera es la protectorado español en Marruecos. Quiere decir, un territorio tiene la categoría jurídica de protectorado. Cuando una potencia extranjera no impone una forma de gobierno, sino que se limita a ejercer una tutela política y económica. Esta relación de subordinación es una variante del colonialismo clásico. Entre 1912 y 1956, de que esto existió el protectorado español en Marruecos. La segunda es la distancia entre España y Marruecos, 14 kilómetros entre Tánger y Gibraltar. Esto facilita los intercambios comerciales entre los dos países. Tercera es las ciudades bajo la protección de los españoles. Hay dos ciudades, La Media y Ceuta. Se
conclusion, Moroccans are one of the few populations worldwide that has an amazing diversity when it comes to languages, to accents in general. Languages practice, this is due to many factors that we have previously mentioned in this video, such as the very late independence, the multicultures that have been through Morocco, and how populations embrace diversity and tolerance, which made us one of the few people that excel in communicating in general when it comes to verbal communication, and how we are very good in practicing languages, talking languages in general, and also when it comes to non-verbal communication, such as the way Moroccans move with their bodies while talking, and how they can adapt with languages. For example, when you are talking French, we are kind of being more or less attractive, and when it comes to Spanish, we're like dancing. We are being true to all languages, and we adapt our non-verbal moves also to what we are saying. And this is not something that we are saying for ourselves, it's something that is known worldwide that Moroccans are very good when it comes to speaking languages. Assalamu alaikum. Bon. La tempera.